République démocratique du Congo, nous retrouvons dans cette église de Saint-Marc à Uccle. Et nous aimerions profiter de ce moment pour, d'abord, étant donné que charité bien ordonnée commence par soi-même, d'abord nous consacrer nous-mêmes à Dieu. Consacrer nous-mêmes à Dieu. C'est-à-dire, concrètement, profiter de ce moment noble et précieux de contact avec le Seigneur pour que la paix s'enzame et la mouille pour que j'offre à Dieu tous mes projets de vie, que j'arrive à lui offrir également ma famille, pour ceux qui en ont une, les enfants, et puis tout ce qui compose une famille. Également, profiter de ce moment pour dire à Dieu, Seigneur, je me laisse entre tes mains, fais de moi. Soyons nés là-bas. Si Dieu a voulu que nous soyons nés là-bas,
dans ce paradis terrestre qu'est la République démocratique du Congo, ça y est, et ça m'a dit la bonne affaire. Et ça m'a dit la Hélène, ça son sens, et ça a du sens. Ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas non plus du blablabla ou du charlatanisme, mais nous avons moi de la vie, Kilboyo, Hermen Kabaoyo, je ne veux pas les mettre la taureau, à vous c'est la tête. Avec Christian Nazan, je ne peux pas le mettre dans Brazzaville, non. Avec Christian Nazan, il y a une fois là-bas, on a failli. Voilà. À Sarandignouana, lui-même a su pourquoi. Parce que s'il avait mis au courant de Brazzaville, il avait décidé pour moi, Christian Wanda, je suis allé là-bas. Peut-être j'aurais été l'incendiaire du courant de Brazzaville. Peut-être j'aurais été malheureux. Moi, en tout cas, je vous dis, je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'être Zaïrois, je suis fier d'appartenir à ce pays-là. Ben, encore, j'aime mon pays. J'aime mon pays et je ne le trahirai jamais. Côté de ce qu'il n'a pas, à 10 000 ans avec tout. Congo, ça, vous ne connaissez pas. Ah non, j'ai jamais été au monde. Réponse à la touche de lui-même. Quel malheur, mademoiselle. Quel malheur. Tu meurs sans que tu aies mis tes pieds là-bas. Sache que tu auras raté un truc incroyable. Vous voyez, chers amis, vous savez, aujourd'hui, en nous retrouvant comme ça, ensemble, peuple du Congo, nous devons nous réaliser que nous ne sommes pas du n'importe quoi. Nous ne sommes pas du n'importe quoi. Nous sommes un peuple prestigieux. Nous sommes un peuple honoré et d'honneur. Je ne veux pas parler dans nos fatises, dont nous sommes bénéficiaires ou victimes. Mais encore, moi je ne rentre pas là-dedans. Ce n'est pas mon discours. Je ne rentre pas là-dedans. Mais je dis, si on a beaucoup de pour le dé, ça n'aurait pas valu la peine à bout d'un. La femme de la bout d'un, à moi, la guigne, moi, la bourreau, moi, la katana. De ce monde
pour la force à exercer la ligne, mais le Congolais, lui, à cause de la en une seconde, pouf, à sa délire, on a voulu parler. Mais la règle du Congo avec la carte sur le plan culturel, nous devons faire les mamans, alors on y a pas solo, on y a, il n'a pas été à l'école à Mamoussa, à tenir l'école à la maternité, mais bah, peut-être qu'il y a aujourd'hui des enfants qui n'ont même pas connu Rochero, qui n'ont pas connu Tablé, qui n'ont pas connu le vieux Galéquel, moi la moitié, sur la famille pour interpréter en disant le mot à la perfection. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Là où certains si, bah, vont souffrir pour passer à la décor. Le Congolais lui arrive, pas tout magique, à ces mots-là qu'il a. À ces mots-là qu'il a. Il y a plein de Congolais qui n'ont pas besoin de papier pour faire un discours. Plein de Congolais qui n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Bon, il arrive au deuxième trimestre à l'université à l'UEL. À la fin de l'année, il sort avec 80%. Est-ce que vous l'avez invité sur vos autres? Faites une analyse, les amis. Faites une étude sur votre beau et merveilleux peuple. Toi, là, tu sous Kali. Et nous sommes habités par une conjonction mystique. Le peuple, même pas si nous sommes allés à tel moment, on va être à Soi et aussi. Comprendre pas tellement mal, parce qu'il faut la maille à Oléka.
voyez que au monde, à plus de monde, ça va être en tête. On me dit, moi je suis maman, je m'occupe de mes enfants, je ne vais pas en faire un drap, je ne vais pas en faire un plat, j'obéis, je m'inscris dans la logique de la société, puisque ça crée une harmonie, pourquoi ne pas m'embarquer là-dedans? Il n'avait pas du tout ma part, il n'avait pas de tout. Le chef du village s'était respecté par l'autre. Nous ne sommes pas des parvenus, mon père, nous ne sommes pas des parvenus, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan culturel, ni sur le plan intellectuel, ni sur quoi que ce soit. Rien. Et nous avons tant de problèmes devant qui que ce soit. Nous avons battu le coup, nous sommes à la tête. Soyons-nous là, à fond, nous tous, et d'ailleurs. Il n'y a pas que pour nous, nous avons rien. Aux vrais gens, aux vrais chéris, aux vrais vies, aux vrais mouvements de l'école, aux vrais la terre, aux vrais la terre, pour moi ça va. Aux vrais la terre, aux vrais la terre, aux vrais la terre. Tu dois te mettre ça en quête. Pourquoi ne pas recourir à toutes ces valeurs? Mais ce n'est pas la chose à faire, c'était interdit de voler, c'était interdit de tricher. Tu triches. Pendant l'examen, tu as comme l'impression qu'il y a l'œil de Dieu qui te regarde. On a vécu comme ça. On a vécu comme ça. On n'a pas mort. La preuve, ils sont à la valeur. Pour la nuit, le point là, ma potentialité, ma aptitude naturelle, ma compétence innée dans un amour, pourquoi ne pas mettre ça en pratique? Surtout pour ta main. Bah, là, il y a un bandit. Ah, bon, là, on pouvait parler d'ADN, on pouvait parler de transmission génétique, c'est tout un processus génétique qui fait que les enfants émanant de bandits soient naturellement bandits. Or, nous, ce n'est pas le cas pour nous, les amis. Il se doit battre ma lame. Comme là, là, on t'a vraiment dans ma lame. Ou là, mon bébé, il se bat dans la voie. Il faut qu'on voit dans cela. Ça va boule, c'est le zina. Mais, si on n'est pas de travail, pourquoi ne pas user de ces armes dans le peuple absolu, dans le peuple fort, dans le peuple prestigieux, pour pouvoir arranger des choses entre nous? Nous devons recourir à l'extérieur, nous devons recourir à la Belgique, nous devons recourir à la France. Mais la Belgique a des soucis. La Belgique aussi a des soucis. C'est le souci à elle. Déjà, il faut arriver à harmoniser le paysage politique, puisque ce n'est pas évident. Communauté française, communauté flamande, tout ça, le prophète, la commune fédérale. Mais ce n'est pas évident, vous savez. Et puis, il y a aussi ce problème de petits malades qui en veulent à notre belle Belgique. Ils viennent nous bombarder pour rien. Pour rien. Ça, c'est des dossiers lourds. Personne n'a le droit de vie ni de mort.
Soyez bien, 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 soyez bien
Au moins, il y a du monde pour appeler ça. Faisons de ce Congo un pays beau, puisqu'il a toujours été beau. Respectons nos enfants, les amis. Un enfant, on ne le tue pas. Un jeune, on ne le tue pas. Mais celui qui va prendre soin de toi demain, celui qui va assurer ta sécurité, même si tu lui apprends la violence, mais tu en seras la première victime demain ou après-demain. Petit sang béton, petit sang béton, dans la télé, ma pomme, ma pomme, c'était là, à l'autre de l'homme. Mais c'est ton enfant qui est bébé. Yo, yo, ma. Tenez. On n'apprend pas à un enfant à être violent. On n'apprend pas à un enfant à être agressif. Non. Ça, c'est interdit par Dieu. La violence ne rentre pas dans le projet de Dieu, mes amis. Il n'a jamais eu de guerre sainte. C'est uniquement la paix qui est sainte. La guerre n'a jamais été sainte, mon ami. Peu importe tout ce que tu peux investir là-dedans comme argumentaire, sache que ton truc-là, c'est nul et zéro. Une guerre n'a jamais été sainte. C'est la paix vraie. C'est ça qui est sainte. La paix. C'est ça qui est sainte. Autour, la paix en Ouana. Lorsque vous cherchez la et sachez que ce sang crie la vengeance au moment de la mort. Attends, au moment de la mort, d'ailleurs. Et au moment de la mort, avant tout ça, au moment de la mort, avant que la mort, tu le payeras. Tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Parce que la vie à laquelle tu portes à tête, c'est une création de Dieu, c'est un don de Dieu. Lorsque tu tues comme ça, tu tues Dieu, tu portes ta tête à Dieu et tu en rendras compte. Donc, tous ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui ont été ici en Belgique, en Norvège, à Londres, en France. Ils ont été ici. Et ce n'est pas des nullités intellectuelles, c'est des sommités intellectuelles. Pas de problème.
travers de la diversité. Acceptons et supportons les controverses. Acceptons et supportons les contradictions. Acceptons et supportons les oppositions. C'est ça un homme sérieux, c'est ça un homme crédible. Je vais terminer par la phrase et sœur. La démocratie, ce n'est pas tuer les gens. Non. La démocratie, ce n'est pas vouloir que l'autre quitte la chaise, qui me laisse la place. Non. La démocratie, c'est le retour au travers de la démocratie. Vous pensez que le jour où Sarkozy est parti du pouvoir, il était heureux. Mais c'était le jour le plus noir pour lui. Mais s'il avait recommencé, Sarkozy ne pouvait pas demander mieux que de rentrer tout de suite à l'Élysée. Mais Sarkozy, la mort dans l'âme, se retire, tout en pleurant. Mais je ne vois pas la violence, elle est là, garantie, elle est là, elle est là. Mais c'est normal. Puis donc, allez ici, j'étais curé dans une paroisse, habitué à mes paroissiens, on me déplace. Mais le jour où on me déplace, mais c'est le jour le plus noir pour moi. Et c'est pas facile. Mais je dois accepter, puisque j'ai promis obéissance à mon évêque. Voilà. J'obéis, malgré moi. Je pars. Mais c'est ça qui te grandit. Mais c'est pas en t'accrochant. Non, ça ne sert à rien, les amis. Soyons sérieux. Vous qui aurez la chance de devenir ministre demain, oui, bah, déjà, vous avez carrière des amendements à Bessie. C'est au travers des œuvres. Regardons le peuple. Et tu ne te gênes pas quand tu es ministre de l'Intérieur. Mais viens voir ton collègue ici, belge, comment il est. Va le voir comment il travaille. Regardons son peuple sur le plan intérieur, comment il vit. Ministre de l'Éducation, regarde ton collègue de la Belgique, comment il travaille. Général d'armée, mais non, il y a souvent un général à Bagar, mais on parle de la parole. J'étais étonné un jour, j'étais à côté, moi j'avais ma croisette, hop, celui qui était à mes côtés, c'était un colonel. L'armée belge, la standard. Tout un match à standard. Ah, mais non, colonel. La balle, il n'y a pas. La bouche en tête. Ouais, bon, bah, il y a Seigneur notre Dieu, aide le peuple congolais. Donne-nous de nous aimer sincèrement. Donne-nous de nous comprendre, donne-nous de nous dépasser. Donne-nous de nous humilier. Donne-nous d'aimer le Congo que tu nous as donné gratuitement, Seigneur. L'amour du Congo, l'amour du Congo. C'est ça qui arrive. Donne-nous, Seigneur, d'arrêter la violence. Il n'y a aucune solution au travers de la violence. La solution, c'est par la paix et par l'amour. Merci de nous aider, Seigneur.
s'agit de la cause, d'une cause commune. Donnons-nous la main. Puisque le Notre Père se brille au travers de la symbolique de l'unité, de l'amour et de l'amitié. Donnons-nous la main pour mieux réciter cette prière du Notre Père. Et habitons la prière pour en comprendre le contenu et la profondeur et surtout la richesse des paroles qui sont prononcées là-dedans. Allons-y, frères et sœurs, avec foi et intériorité, avec joie surtout. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Something.